guerre. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur, toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité.